Oh, je ne suis pas ma part.
On va passer alors, on va officiellement faire l'acte de mariage. Donc j'ai le plaisir d'officier. On va faire la lecture des articles du code civil, et à la fin de ces articles de ce code civil, vous pourrez vous donner, échanger des alliances, et après je vous ferai la lecture officielle de l'acte. Alors on va officier. Donc nous sommes en possession des pièces nécessaires et toutes les formalités étant remplies, nous allons procéder au mariage de Mariette Lubungu avec M. Alexandre Crépel. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371. Du code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux au choix du mariage, ils y contribuent et matérielle à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs. L'intérêt de elle appartient aux parents dans la majorité de l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect du des parents associés dans son pour le protéger selon son âge et son degré de maturité. J'aimerais bien permettre son développement dans le respect des parents associés dans son âge et son degré de maturité. Je vais procéder au consentement des futurs époux. Madame Mariette Lubungu Wanga. Vous pouvez lire la vidéo. Madame Mariette Lubungu Wanga, consentez-vous à parents au pour époux, Monsieur Alexandre Pepel, ici présent. Oui. Monsieur Alexandre Pepel, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Mariette Lubungu Wanga ici? Oui. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare que vous êtes unis. Consentez-vous à par le mariage épouse Madame Mariette. Signe de nom et de
vie avec mon amour, c'est de mon amour et de ma fidélité. Le bisou. Je vais faire la lecture de l'acte officiel de mariage. Donc le 16 septembre 2017, à 12h, devant nous, on s'est paru publiquement à la maison commune, Alexandre Simon Jean-Marcel, je vais faire la lecture de l'acte chauffeur routier, né à La Roche-sur-Yon, le 14 août 1986, domicilié à Avessac, 22 rue de Vaudon, fils de Patrick Auguste André-Marie Cervel, retraité, domicilié à Saint-Nazaire, 24 rue Sunderland, et de Sylvie Janine Daniel Pricker, restauratrice, domicilié à Saint-Dolay, deux places de l'église, et Mariette Séverine Lugungu Wonka, ménagère née à Pointe-à-Pitre, Congo, restauratrice. Pointe Noire, pardon. Désolé, Pointe-à-Pitre, c'est pas le même endroit. Du tout. Pointe Noire, au Congo. Le 14 juillet 1989, domicilié à Avessac, 22 rue de Redon, fille de Jean-Félix Dugungu, militaire, et de Béatrice Chibunga, c'est ça, ménagère, domiciliée à Pointe-Noire, au Congo. Les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Alain de Nancy, conchéliculteur, domicilié à Saint-Dolay, deux places de l'église, de Émile Yungila, responsable ressources humaines, domicilié à Nantes, 22 rue Claude et Simone Liot, et de Christiane Fallou, témoin majeur, qui, lecture faite et invité à lire l'acte, ont signé avec les époux et nous à la Beauvoir, maire, officier de l'état civil. Je vais vous proposer de signer cet acte. On va commencer par madame. Bon, toi, tu ne pas par ça, c'était pour faire quoi là? Si vous avez déjà un peu de. Et ici. On va demander monsieur. Moi, je t'ai bien dit à la chambre, j'arrive de le mettre en. Non, arrête. Reviens ici. Non, tu reviens ici. Tu reviens ici. Non, mais moi, je pensais que tu pouvais te déplacer pour venir avec le cas. Non, je te reviens. Non, tu reviens. Non, tu reviens. Au-dessous, voilà. Tout cet espace est pris de la salle. Excusez-moi.
Et je vous offre un livre qui a été écrit par Joseph Lebert, un ancien curé d'Avessac, qui raconte l'histoire d'Avessac. Ça vous permet de découvrir l'histoire d'Avessac. Voilà. Merci, monsieur. Et à vous, Alex. Tu sais que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. Attendez que je vous fasse so long. Do you remember? Mais est-ce que tu sais que je t'aime? Il me manque de mots. Justement, eh bien on va commencer cette cérémonie en... Voilà, je vais vous demander évidemment un peu de silence quand même, pour respecter que ce temps de prière. Voilà. Et on va demander au Seigneur justement d'être présent au sein du couple d'Alexandre et de Séverine. Et nous allons chanter. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi.
Voilà, c'est très bien. Vous chantez bien. Ça me promet que vous allez avoir une belle après-midi. Voilà. Voilà, et bien, si vous voulez, avant de venir, Alexandre et Séverine, et vous tous ici rassemblés, nous allons nous tourner vers... nous allons réciter, si vous le souhaitez, ensemble, cette belle prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Voilà, en confiant Séverine et Alexandre, en demandant au Seigneur de vous aider, de vous accompagner. Hein. Sachez dans les jours de joie lui dire merci. Sachez dans les jours plus difficiles lui demander son aide et son accompagnement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur, notre Dieu, vous garde unis dans un même amour et fasse grandir encore cet amour venu de lui. Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent sans mesure la joie que vous leur donnerez. Que la paix du Christ habite en votre maison et qu'elle règne toujours entre vous. Que votre travail à tous deux soit béni, sans que les soucis vous accablent, sans que le bonheur vous égare loin de Dieu. Que de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager vos joies et vous aider dans la peine. Que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu'il réponde aux appels du prochain. Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. Séverine, Alexandre et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous pourrions terminer, si vous connaissez, qu'il est formidable d'aimer. Il est nous a bouché. Voilà. On vient de le chanter à l'église tout à l'heure, donc on va chanter là. Il est formidable. Thank you.
Thank you.
On va partager le peu qui nous a pris pour nous et pour que la fête soit grandiose. Sur ce, de la part de Alex et Séverine, nous vous disons merci. Alex et Séverine, merci de nous avoir fait part de votre invitation.
En vérité, je les ai toutes alignées. Y'a pas une qui coupe mon cœur. Y'a pas une qui me fait peur. Je suis comme Jack le Power. J'ai toujours ma cible dans mon viseur. Comme on le dit, un caillou qui casse le caillou. Un jour dans mes balades, je vois un truc de malade. Alors mes yeux s'allument, mon corps s'agit. Là, je suis dans le problème. Quand je vois son beau barbe, ça me passe.